Eh bien, bonjour à tous bienvenue sur notre plateau de notre émission c'est arrivé comme ça ici pierre emmanuel donc aujourd'hui j'ai le privilège de présenter quelqu'un qui est avec moi que vous voyez ici et qui s'appelle jérémy bonjour donc, bonjour jérémy Enchanté. Ça va en forme <laughs> Nickel. D'accord. <laughs> eh ben écoute, euh, on est impatient d'écouter euh, ton histoire parce que je sais que euh, ta vie a été changée, quelque chose s'est passé d'important pour toi et c'est la raison pour laquelle tu es là sur le plateau pour, 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 pour témoigner de ce que tu as vécu. Et donc d'où d'où tu viens un peu hein, avant d'arriver, un petit peu à ce qui t'est arrivé. Si tu peux nous dire un petit peu, ben voilà que. Quelle était ta vie avant que tu aies eu ce, cette rencontre et ce, ce, ce changement Alors ma vie d'avant, moi, c'est euh, un passé un petit peu particulier parce que, euh, parce que voilà, issu d'une famille de, de dix frères et sœurs. Ok. Il euh, y a eu quelques quelques grosses difficultés dans ma famille. J'étais placé, j'avais un an en famille d'accueil dans, okay. dans un petit village à côté de, de Lyon. Quand tu avais un an. Voilà, quand j'avais un an. Ouais, donc euh, pratiquement depuis. Euh, euh, voilà. De, de, de J'ai été élevé chez une, chez une maman de cœur, en fait, dans, dans un petit village des Mont du lyonnais qui m'a élevé de mes 1 an jusqu'à mes 11 ans. Okay. Euh, donc, euh, pendant ces 11 ans, aucun, aucun contact avec mes parents, aucun... Ouais. Euh, plus de... Enfin, un lien, un lien totalement cassé. Euh, et par la suite, donc, euh, deuxième, euh, deuxième gros coup dur, ma, ma mère adoptive est décédée d'un cancer. J'avais 11 ans. Okay. Je me suis retrouvé ensuite en foyer sur Lyon. Okay. Euh, là, ça a été un petit peu le, le, la loi de, 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 ouais, de, 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 de marche ou de si je peux dire. Okay. Euh, fallait, euh, voilà, fallait être. Euh, je parle dans mes mots. Hein. Ouais, euh, ouais, <laughs> ouais, bien sûr, on comprend euh, très bien. C'était, c'était soit on, soit on, on se forgeait un fort caractère, on s'en sortait, soit on se laissait faire et puis on prenait, on prenait tous les coups qu'on pouvait prendre. Okay. Donc, euh, donc voilà. Euh, pendant longtemps, je me suis senti super mal dans ma, dans ma vie bah, du fait de ces, de ces quelques difficultés, de ces quelques, quelques déchirures. Ouais. Euh, pendant 20 ans, j'ai été suivi par des psychologues, par des psychiatres qui m'ont euh, caractérisé en tant que bipolaire. Mmh. Euh, j'ai eu, euh, eu, euh, voilà, eu de nombreux traitements, j'ai euh, fait une grave dépression. Il mmh. euh, y a quelques années, je suis resté 15 jours en hôpital psychiatrique. Mmh. Euh, voilà, parce qu'on me, me caractérisait comme fou, les psychologues, les psychiatres n'arrivaient pas à comprendre ce qui se passait réellement dans ma tête. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis voilà, donc je suis arrivé sur Clermont-Ferrand complètement par hasard. Mmh. Euh, ma vie me fait penser un petit peu à celle d'Abraham qui, euh, qui par la foi est parti a suivi son, son chemin. Mmh. Euh, je suis arrivé dans le Puy-de-Dôme, j'avais rien à faire ici en fait. Mmh. Euh, je suis arrivé sur Clermont-Ferrand avec deux valises. Mmh. Euh, J'ai pris, euh, pris un, une chambre de, de jeune, dans un foyer de jeunes travailleurs. Okay. Et euh, c'est à partir de là que, que, que ma, ma vie a commencé. Euh, donc, après première union, il euh, y a eu la naissance de ma fille Anaïs, première fille. Mmh. Euh, mais malgré ça, il y avait des choses qui continuaient à mal aller dans ma vie. Mmh. Euh, J'avais une consommation d'alcool qui était relativement importante. Mmh. Euh, à la base, je suis quelqu'un de très impulsif, donc euh, forcément, ça causait des, euh, des choses qui n'étaient pas, pas forcément bonnes. Donc, mmh. de la violence, euh, des, des, des bagarres, des coups, etc. Mmh. Et, euh, et puis voilà. Donc le, 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 cette consommation d'alcool, ce, 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 ces souffrances qui subsistaient malgré tout ont causé la, la, la déchirure de mon premier couple. Mmh, mmh. Euh, je me suis retrouvé donc avec, avec ma, ma fille. Enfin du jour au lendemain, je me suis retrouvé dehors. Il a fallu que je me, je me reprenne un appart, le, enfin meubler mon appart, re, me reconstruire une nouvelle vie, si je pouvais, enfin si je voulais avoir, enfin, si je voulais obtenir le, la garde de ma fille. Mmh, mmh. Euh, et puis voilà, il a fallu que je me, je me batte. Mmh. Euh, et puis après, j'ai rencontré donc ma, ma femme actuelle, euh, qui euh, qui euh, complètement par hasard aussi. Des, ça a été des annonces. Je recherchais des vêtements pour ma fille parce que j'avais plus aucun j'avais aucun j'avais plus d'argent, j'avais plus rien. Mm -hmm. Je recherchais des, 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 des vêtements pour ma fille. Elle a répondu à cette annonce là et, mm -hmm. euh, et ce jour là, ça a été voilà ça a été la, la, la véritable rencontre. Mm -hmm. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, 3 ans qu'on est mariés. Mm -hmm. Euh, on a eu une petite euh, dernièrement donc mmh. euh, Chloé qui, a, euh, qui va avoir deux mois mmh. euh, qui, a été, euh, qui est venue sceller un petit peu cette, cette grande famille parce qu'aujourd'hui on, on est à euh, tous les deux on a sept enfants mmh. euh, en, en commun mmh. euh, donc voilà grande grande et belle famille mmh. Euh, ce que là je remercierais le Seigneur parce que moi qui ai commencé justement sans famille, euh, je le remercie pour la famille qu'il m'a donnée, pour, mmh. pour tout ce qu'il m'a donné, ça c'est clair. Euh, Aujourd'hui, c'est une arme pour, pour me tirer en avant, c'est une arme pour, pour, pour continuer d'avancer. Euh, et euh, voilà, enfin, voilà en gros mon, mon, mon cheminement. D'accord. Voilà. Et comment, à quel moment alors tu, tu as eu ce... Cette rencontre de foi, et comment ça, parce que voilà tu, 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 tu étais dans ces difficultés, donc j'imagine quand tu as rencontré ton épouse euh, actuelle, voilà, ça a amené du baume au cœur, mais est-ce que ça a guéri complètement ton vide Est-ce que ça a changé complètement ta vie euh, par rapport à ce que tu disais, que tu étais dans, dans cette dépression, tu étais dans ce mal-être Donc qu'est-ce qui s'est passé aussi et que, qui t'a amené à la foi Il y a un changement aussi personnel voilà, c'est ça, en fait, il euh, y avait toujours des carences, il y avait toujours des, des, des choses que j'arrivais pas à, à combler malgré tout. Un okay. certain besoin spirituel, parce, ouais. euh, parce que, comme je disais, j'ai fréquenté pendant plus de 20 ans des, des, des psychologues-psychiatres des psychologues qui, ouais. qui n'arrivaient pas à soigner le, le, mon mal-être intérieur. Ouais. Et en fait, ça a été la, re la rencontre comme quoi Dieu, encore une fois, fait bien les choses. Ça a été une rencontre improbable mmh. euh, dans une entreprise de fromagerie du, <laughs> du coin. Ouais. Euh, Laurent, que j'appelle mon parrain spirituel, ouais. euh, euh, qui, qui a commencé à me parler de, 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 de Jésus-Christ, de la foi, etc. Alors, mmh. euh, d'un premier abord, je le rigolais plus sonné qu'autre chose, ouais. parce que pour moi, Dieu, c'était euh, une vaste plaisanterie, en fait. Mmh. Euh, et... Euh, et en fait, ça a été. Euh, il a malgré tout, il a, il a été euh, là dans, enfin pour répondre à mes différentes questions, à mes, euh, euh, Et puis en fait, un soir, il m'a dit, ben bah, viens chez moi, j'ai mon pasteur qui, qui, vient, qui, euh, qui, qui sera là ce soir. Mm -hmm. euh, mon fameux pasteur qui était là, mm -hmm. qui m'a serré dans les bras en fait tel un père, et mm -hmm. ça a été euh, la véritable révélation parce que j'ai senti une chose qui rentrait à l'intérieur de moi mm -hmm. et qui aujourd'hui est mon mon, 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 fait intérieur. Aujourd'hui, je vous une. Une totale, une, totale, ouais, une totale adoration, une totale euh, passion, amour pour le Seigneur. Ah ouais. euh, et j'en je, je, suis même aujourd'hui où j'ai un verset que, que, qui m'inspire puissamment et qui euh, c'est mon verset préféré, c'est euh, « Vous connaîtrez la vérité, la, la vérité vous affranchira ». Jean 8, 32, mmh. qui, euh, qui définit clairement ma, ma, ma foi personnelle, mon appel personnel. Mmh. Euh, et il vous affranchira, j'ai totalement rejeté le système qu'on qu voulait tout prix me, me, me présenter pour répondre pleinement à avoir le courage de répondre pleinement à l'appel que, que Dieu avait pour moi. En fait, mmh. euh, donc aujourd'hui, ça, ça se résume à la création d'un blog que j'espère développer. Mmh. Euh, ça se résume euh, euh, le Seigneur m'a touché euh, pour le, la création d'un ministère de, de guérison en fait, parce que le, le, le mal-être que j'ai ressenti auparavant, euh, autant comme, comme j'aime le dire aujourd'hui en rigolant, autant le, la souffrance a été dure, autant le message sera puissant en fait. Mmh. Euh, je veux apporter euh, les, les, les clés pour une, pour une totale guérison pour toutes les personnes qui justement euh, ont du mal à comprendre ce qui se passe euh, à l'intérieur d'elles en fait, mmh. Donc, voilà. et qui ont pu vivre euh, un parcours euh, ça. difficile. Ça. Intérieurement et extérieurement Exactement, il y a un appel particulier Donc, euh, donc voilà, je, je, comme on dit C'est pas, pas l'église qui a besoin d un, d un, dans, dans un premier lieu C'est les gens qui sont dehors, ça c'est clair et net Il mm -hmm. y a des lieux où il faut qu'on aille également Où il n'y a pas forcément euh, de, de, de personnes qui y vont Bien Je sûr. pense aux hôpitaux psychiatriques Je pense mm -hmm. au foyer de, de jaune mm -hmm. Dont j'ai fait partie Je pense à tous ces, euh, ces euh, Voilà, J'ai des idées plein la tête quoi. Super donc, euh, mm -hmm. Et toi alors par rapport à donc, Quand tu as trouvé cette présence de dieu, tu t'es mis à lire la bible, à prier, et à développer ça. une relation personnelle avec dieu. Exactement. et comment ça a affecté ton, euh, ta, ton intérieur? qu'est-ce qu qui s'est passé? Et bien en fait, euh, par, le, par le passé, j'étais quelqu'un qui, voilà qui était, euh, qui était, qui était fragile, qui, était, euh, qui faisait des crises d'angoisse, qui, euh, qui, euh, qui paniquait pour un rien, qui... Euh, aujourd'hui, ouais, il m'a il vraiment, euh, il m'a vraiment solidifié, et, euh, il est clair que... Euh, je peux rencontrer n'importe quelle épreuve dans la vie. Alors c'est sûr, il y, a, il y a des moments de questionnement, comme tout le monde. Sûr, mais ouais. euh, mais j'ai plus, plus les doutes que j'avais auparavant. J'ai plus la faiblesse okay. que j'avais auparavant. Quoi. Et au niveau de tout cet, un peu de cet état dépressif que tu as eu pendant longtemps. Euh, tu luttes avec ça ou c'est parti Tu es guéri C'est en train es... de partir. Donc, donc voilà, comme, comme je disais, j'ai euh, eu pendant longtemps un traitement euh, médicamenteux. Je suis en train de... Le Seigneur est en train de, de, de m'affranchir totalement de tous, tous ces médicaments. Super. Euh, donc voilà, il est en train de faire de moi une nouvelle, une nouvelle personne. Ça, c'est okay. clair et net. Donc tu, as, tu, tu, tu te sens paix aujourd'hui Intérieurement totalement. Ok. Totalement. Et tu es bien, ah. tu, es, tu es en harmonie. Tu es... Donc clair. tu es passé d'un... C'est ça. Ben, bah, en fait, euh, en fait j'ai eu une discussion avec ma, avec ma femme hier soir où je lui disais, euh, euh, il y a 10 ans, j'étais le, le jeune homme euh, totalement fragile, totalement perdu dans sa vie, totalement détruit, totalement… Euh, Aujourd'hui, non, je suis plus… Euh, il m'a totalement changé et, euh, mm -hmm. et j'ai une conviction que euh, voilà, ce n'est pas la moindre épreuve qui va me, qui va me faire tomber. Ça, c'est mm -hmm. clair et net. Amen. Super. Et <laughs> eh ben, merci beaucoup. Merci Jérémy et euh, bonne continuation hein <laughs> et avec ta belle famille ta, ta je, je, récente fille hein, et ton couple et pour tout ce que tu vas faire aussi pour le Seigneur les choses qui sont dans, dans ton cœur pour faire pour d'autres personnes etc, etc. j'aimerais passer si c'est possible un message un, mes, un message particulier pour pour clôturer en fait bien sûr euh, j'aimerais dire justement à, tout, à tous ces tous ces jeunes qui sont placés en famille d'accueil qui sont mmh. en foyer qui qui ont peut-être perdu parents enfin qui ont perdu leur père leur mère Mmh. Euh, C'est pas parce qu'on démarre avec, euh, avec rien dans la vie que, que voilà, tout est définitif et qu'on euh, ne peut pas réussir dans la vie. Absolument. Voilà. absolument. Et comment, comment euh, par exemple, quelqu'un qui est dans cette situation, comment tout de suite il pourrait. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour comment se raccrocher à Dieu pour pouvoir euh, tout de suite trouver sa voie comme, comme toi, ça t'est arrivé, mais après pas mal d'années. Bah, en fait, euh, ça se résume à une chose cherche Dieu et tu trouveras qui tu es réellement. En fait. Mmh. Voilà. Amen. Le, lis, la Bible, lis la Bible, trouve ou, des vrais le. chrétiens. Voilà, c'est ça. Absolument. Et eh ben merci beaucoup. Merci à tous et à la prochaine. Au revoir. Merci.